3. Tendu. Ouais, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pêcher le brochet, la perche, le carnassier en flotte tube. Mais vous voyez ce qu'il y a, il y a de la neige partout. On part déterminé se pêcher sous la neige. Il annonce pas de neige aujourd'hui, hein. C'est une belle journée. Donc on va essayer de s'amuser, de prendre plein de poissons, si ça veut bien mordre j'espère. Il y a du soleil, donc on a les conditions idéales. On sait que chez nous quand il y a du soleil, même s'il fait froid, normalement ça touche. Je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais sûr à la pêche. Et on va essayer de prendre des brochets, des perches, et en espérant qu'ils soient là, en vertical principalement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On a fait une très belle journée, il y a du soleil. Fait pas trop froid. Bon, y a de la neige un petit peu partout, mais pas beaucoup ici comparé à chez nous. Allez, c'est parti, on attaque la pêche. Poisson. Belle perche. Une belle perche. 40, je dirais. Ouais. Ah non, un petit bec, un tout petit bec. Hop là. Yes. Hop. Les gens. Petit brochet. Non, lâche mon one-up. Non, lâche-le. Voilà. Il fait quoi, 35? Zip là. Je pensais vraiment que c'était une perche. Couille au fond. Hein. Y a pas de secret. Ou mon vif il s'excite. Il part. Il partait. J'avais mon téléphone à la main. Ça part. Ça part toi aussi? Moi ça partait là. Ça s'excite moi. Ouais, troisième décroché. Ça tape. Oh, ouais, ça tape. Pendu. Ouais, on aurait pu. Ça donne pas de coup de tête. Hein. C'est une bonne grosse perche, tu crois? Ça donne aucun coup de tête, ça sent le brochet. C'est ça le petit brochet, regarde. Hein. Il m'a donné aucun combat. Moi aussi, tu m'as tapé. Trois poissons, tu décroches, ouais. Non, quatre. Ouais. Comme une balle. Quatre. Allez, t'as plus de perche? Non. Je t'en refais une. Oui, tu veux une grosse, une moyenne? Ouais. Ah ouais? Oh, c'est au bout. Et ici, c'est au bout. Ben voilà. C'est pas très gros, si. Allez, le coucher. Oh, j'en ai... T'as la poisse aujourd'hui, Alex. J'en ai marre. J'espère qu'il n'y a pas besoin d'une autre perchette. Ah, non, c'est bon. J'en ai marre.
T'as comment tu rates tout aujourd'hui? Putain, j'ai bien fait. Ouais, va falloir que tu te réveilles. Hein. Va falloir que tu te réveilles là un peu. Non, mais j'ai bien fait. Mais c'est des brochets, tu sais, ils les prennent en travers, je pense. C'est pas trop des perches. Les perches, tu sais, elles les prennent d'un seul coup. Les brochets, ils les prennent sur le côté, c'est le travers. Troisième ferrage, mais. Troisième ferrage au vif, deux hauleurs. Un hauleur. Je décroche un autre truc, je sais pas ce que c'est. Et j'avais grave marre. Hein. Bon, t'as la pas marre, on fait des touches, ça va, tu vas bien réussir à faire un truc. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai un truc de fou. Oh, loupé! Oh, l'heure! Complètement déchaussé. Quoi? Complètement arraché le leurre. Oh. Oui Alexis. Ah, ça c'est pas. Je sais pas ce que c'est, mais. Ça c'est pas bon. Oh, non. T'es monté trop léger. Ah, ça va être beau. Sur la cannuelle. Je vais voir ce que c'est. Te fais pas couper sur la cannuelle. C'est même pas une nuelle, c'est une light. C'est prends l'épuisette. Je vais essayer de. J'ai envie de voir ce que c'est. Ouais. Oh, c'est bête. Ah, il est pas vilain, l'enculé. Par le dos, je l'ai fait. Ah bah c'est bon, tu vas pas le. Tu m'étonnes qui t'a tiré. Ah, j'avais pas, c'est un lasso quoi. Si, un hameçon de planté forcément. Tu veux que je te le prenne? C'est ça que je voyais au fond. Ah. Oh, le pauvre, il est lacéré. Ils ont le bide explosé. Allez, non, on prend pas dans l'épuisette. Voilà. Déjà, un petit brochet. 50? Il est redescendu. Pas mal Alexis, pas mal. Tu m'étonnes que ça t'a fait. Ça tu t'y attendais pas hein. Quoi? Bon allez, nouvelle petite session, il y a beaucoup de vent, j'ai pas la bonnette sur le micro, ça risque d'être bien sale, j'espère que je pourrai quand même filmer à peu près comme il faut. On est avec Ludo, un mec que vous avez pu voir dans les vieilles vidéos, qui est revenu en Ariège pour pêcher, etc., pour voir de la famille. Du coup, on pêche avec lui. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu. C'est génial de repêcher avec un vieil ami pêcheur. Et on va faire une petite session avec lui. Il pêche pas mal, vertical, donc objectif vertical, objectif vif au début. Comme d'hab, on va essayer de faire quelques perchettes pour pêcher au vif, au fireball, si elles sont assez grosses. Avec l'autre montage que vous avez normalement pu voir dans une des dernières vidéos. Je vous mets la petite fiche. Et on va essayer de faire quelques poissons, objectif sauver le capot, disons, on part plutôt que faire beaucoup de poissons, là ça va être plutôt sauver le capot. Et on va essayer de voir, on va voir ce que ça vous donne, ce qu'on arrive à faire. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, il fait pas froid à l'extérieur, mais il y a du vent, pas mal de vent. Donc on va voir. Ouais, il a pris 40-50 cm. Hein. Il faut que ça prenne ça par semaine et on sera bien. Elle est remontée, mec. Hein? Là, elle est remontée. Oh, les crochets! Non! Non! Une grosse boîte! Non! Non! Oh, je te jure, une cartouche, boum! Oh, ça promet. Je viens de décrocher un fiche! Ça avait pas l'air vilain, je te le dis. Ouais, mais là, poisson 100%, il me met une frappe. Oh. Je pense, franchement, je pense, niveau de la touche et tout. Ouais, il y a des traces de chicot partout. One up slug. One up slug. J'ai comme déjà son sonore d'ici. Ouais, par contre, les parasites, moi, la dernière fois, c'était ça aussi. Dès à partir du moment où il y a un sondeur dans l'eau, boum, parasite de merde. Je vais vous mettre en 80 un peu. Et après, dès qu'il s'est mis en 80, l'eau.
Il n'y avait plus rien. Le problème, c'est que tu vois pas pareil en 4. Pendu. Pendu, pendu. Poisson. Perche. Ouais. Je fais aller doucement parce que c'est une belle perche. Yes. Yes. Oh. Oh. Allez, redescends, redescends, redescends. Non. Allez. Une belle perche de 30, 35. Oh. Oh non, décroché, c'était gros, c'était gros, c'était gros. Putain, je le mets trop sur le lac, moi. C'était gros, c'était gros. Ça cartouche. Ah, oh, c'était fat, ça. Ça, c'était fat. Hein. Oh, ça a retapé. Ouais, notre slug rose. Non, non, je suis en vertical. Ah, oh, c'était gros, ça. Putain, je l'ai vu, la touche. Je l'ai. Une touche. Elle a remonté, ça, la canne, elle a fait... Ça a fait. Enfoiré. Ouais, ouais. Ah, cette touche. J'étais en train de remonter l'herbe. J'en ai qu'un, et comme ça, j'ai pas de paquet. Hein. C'est... que j'avais récupéré. Un mec au leurre qui a relâché. Allez, voilà. Yes. C'est perche, ça, non? Coup de tête comme ça. Ouais, c'est perche. Putain, les perches, ça fait un mois qu'on les a pas vues ici. Hein. Un mois qu'on n'a pas fait une perche. Eh, on est le bonjour, les gars. Faudrait que je fasse pareil, moi. Elle est belle, hein? Elle est jolie. Tu veux voir? C'est la même que j'ai faite à pied. Ouais, voilà, jolie. Tu la prends en photo? Ouais, je te filme. Slug, moi. Ah ouais, là, non, mais clairement, moi j'ai pris des gros cartons là. Mais ça fait vraiment un mois qu'on n'a pas pris une perche, hein, ici. Ouais. Et pourtant, elles sont là, hein. Relâche direct. Ouais, t'aurais dû la jeter, elle flotte. Faut lui faire un choc pour qu'elle reparte vite. Voilà, tu vois, ça marche bien le choc. Hein. Elle n'était pas trop décompressée, celle-là, ça arrive. Elle est redescendue. De toute façon, pour qu'elle survive, il faut qu'elle gagne le fond le plus vite possible.